C'est Frédéric Babré qui vient remettre ce prix, donc directeur exécutif France de Keolis. Toutes les métropoles qui sont à l'honneur. Pour un opérateur, c'est un moment très agréable, effectivement, de remettre ces trois passes. Pourquoi? En fait, il y a au moins deux bonnes raisons. La première, c'est que je peux témoigner, effectivement, en tant qu'opérateur, quand un réseau reçoit effectivement un pass, or, bronze ou argent, à chaque fois, c'est effectivement un vrai moment de fierté effectivement pour tout le personnel. Parce que c'est effectivement la reconnaissance d'un travail au quotidien, qui est un travail effectivement au service des voyageurs, qui est un service de qualité. Et il y a vraiment effectivement une fierté, et ça peut sembler effectivement, quand on est à Paris dans une salle, en fait, un événement qui est un événement... peut-être effectivement un peu ponctuel, je peux vous promettre qu'à l'intérieur d'un réseau, c'est un événement important. Et la deuxième raison, c'est que c'est quand même un moment privilégié entre une autorité organisatrice et un opérateur. Il ne peut pas y avoir de passe si vous n'avez pas effectivement un opérateur et une autorité organisatrice qui travaillent en fait en confiance et en efficacité. Et je crois que c'est effectivement quelque chose qui est important parce qu'on voit bien la complémentarité de ces deux acteurs, chacun à sa place, l'autorité organisatrice qui donne les grandes orientations, qui décide des grands projets, et un opérateur qui est chargé effectivement pour son compte et à ses côtés de mettre en œuvre ce projet. Et je crois que c'est effectivement un moment qui est privilégié, comme Keolis a vraiment effectivement comme vocation d'être au service des autorités organisatrices à leur côté. Quand on a, à travers le pass, l'occasion effectivement de constater cette symbiose, c'est un moment qui est heureux. Et pour vous montrer qu'effectivement, même si c'est les autorités organisatrices qui sont à juste titre récompensées, l'opérateur y est pour quelque chose, je me souviens du représentant d'une collectivité locale qui, quand j'étais venu lui présenter le nouveau directeur du réseau, m'avait dit « Moi, vous savez, ce que j'attends du directeur, c'est qu'il me donne le pass d'or. » Donc, enfin, qu'il me permette effectivement d'obtenir le pass d'or. Comme il est dans la salle, il se reconnaîtra. Mais en tout état de cause, l'opérateur doit y être effectivement un peu pour quelque chose. Je ne sais pas si c'est celui qui va ce soir. Pour l'instant, mystère. On va peut-être appeler le lauréat. Donc le lauréat, c'est la métropole de Toulouse. On avait une problématique de départ, c'est qu'à Toulouse arrivent 15 000 personnes par an. Donc en déplacement, ça veut dire 50 000 par jour. Ça veut dire qu'à 10 ans, il faut qu'on invente 500 000 déplacements. Et donc le maire de Toulouse, Jean-Luc Boudin, a dit qu'il fallait faire un plan Marshall des transports à Toulouse. Et on a préparé un PDU, comme on dit, de 3,8 milliards, avec une troisième ligne de métro qui va faire 28 km. C'est-à-dire l'accumulation des deux lignes existantes pour arriver à 28 km, ça, on dit ça. Mais pas que. Puisqu'on a aussi d'autres projets, on a un téléphérique urbain qui fera 3 km dans un premier temps, mais peut-être 6 à terme. On a en cours le doublement de la ligne A, on peut passer de 230 000 par jour à 400 000 jours en potentiel. Et puis on a un réseau linéo, 10 lignes sur les lieux à plus gros potentiel pour qu'on augmente ce dispositif. Et puis on a beaucoup parlé d'innovation aujourd'hui. On a ouvert la 4G dans le métro il y a quelques semaines. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt où 120 entreprises ont répondu pour nous accompagner avec 250 projets déposés. Et puis on travaille sur l'extension des plages horaires puisqu'on a maintenant un métro à 3h du matin et puis des opérations plus ponctuelles comme le métro 24h/24 pour le premier temps. Voilà, et je tenais à ce que Francis soit côté de moi parce que Tisséo c'est trois entités. Tisséo SNTC, aujourd'hui Tisséo Collectivité, l'autorité organisatrice, Tisséo Réseau, les voyageurs, et puis Tisséo Ingénierie qui participe à nos côtés à cette grande construction. Merci. Tout à l'heure, il y avait une question sur la... Il y avait une question sur les procédures. Tous ces projets, évidemment, ont fait l'objet de débats publics, de procédures, de démarches, de concertations. Oui. Long. Est-ce que ça vous a permis véritablement de changer un peu votre vision des choses, de faire évoluer les projets? Il y a deux réponses. Il y a la réponse politiquement correcte. Je vais vous dire que c'est parfait, c'est merveilleux, c'était nécessaire, il fallait le faire. Et puis, il y a la réponse un peu plus dubitative, qui sortira pas d'ici, qui me laisse. Quand on lance un projet de troisième ligne en France, il faut 4 ans. En Allemagne, il faut 2 ans.
Et je ne pense pas que les Allemands fassent n'importe quoi. Donc voilà, c'est ma réponse qui n'est pas politiquement correcte. C'est long. C'est ce que j'ai dit. Ces procédures sont longues. Ça apporte beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a des excès qu'il faudrait maintenant maîtriser. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup.